Danny, welcome to the Walt Disney Animation Studios. Thank you, wonderful. This is where it all comes to life, particularly your character. My character, Olaf. Yeah. We have a little surprise for you also. Oh, wonderful. Here. Olaf. Hello. Bonjour à tous, je m'appelle Olaf et j'aime les gros câlins. Je vous présente Olaf, qui est là, juste derrière moi, qui est un bonhomme de neige qui parle, qui danse, qui chante, qui est très, très touchant et très drôle. Ah. Merci. De rien. Me voilà, parfait. Il a des émotions et il les dit sans filtre, instantanément, comme les enfants en fait. Il manque une chose. Oh pardon, j'ai la tête qui tourne. Oh, qu'il est chou. On dirait un tout petit bébé licorne. Doucement. Donc les enfants vont se retrouver dans le personnage. Hey, pourquoi pas du jaune? Oh non, pas du jaune, non. Le jaune et la neige, trop moche. J'adore faire des voix parce qu'après mes enfants me demandent de refaire la voix du personnage. Chris, Jen. Hello. Like you'd meet Dan Boone. I love the movie. Oh, it's amazing. I can't wait to see what you've done with Olaf. Okay, you'll see. How do you say, hi, I'm Olaf and I like warm hugs in French? Je m'appelle Olaf et j'adore les câlins. Ah. That's great. Even sweeter. Yeah. And I did it with a German accent. No, I'm kidding. Vous avez hésité? Non, pas du tout. No, the movie, the story is it's really modern. It's really that's amazing, funny and beautiful. His you dream. Just finished the song. You did? It's so difficult. Well, that last note at that the very end, note. Right? Hard, yeah. Yeah. Pretty hard, yeah. Si, j'ai déjà chanté dans ma douche, en voiture. C'est pas vrai? Bonjour. La difficulté, c'est pas tellement d'avoir la note ou de chanter, juste c'est de garder la personnalité du personnage en chantant ses chansons. C'est des chansons presque de musical, quoi. J'ai vu le film ici, là, sur ce petit écran. J'étais dedans, j'étais au taquet. Yeah, c'est nous. Laissez-moi faire. Je vais vous aider. Wow. Oh. Ah. Je me demande si nous pourrons survivre à ce blizzard. Ce n'est pas un blizzard, c'est ma sœur. Hi. Hi, how are you? I'm fine, thank you. Non, je rigole, je suis français. Le travail sur la neige dans ce film est absolument incroyable. L'animation de la neige est géniale. Faire de la neige au niveau informatique, au niveau scientifique, c'est assez compliqué, quoi. Et on a des équipes, en fait, de docteurs, ingénieurs, qui font des programmes. Mais ils les dessinent d'abord à la main ou... Dans ce film, exactement, c'est ce qui s'est passé, justement. Tout ça, c'est dessiné à la main. Tout ce que tu vois ici en blanc, avant, sur l'écran, c'est animé, c'est animé à la main, voilà. Pour donner vraiment un feeling assez organique, en fait. En fait, c'est ce que les gens ressentent, mais ne voient pas, quoi. Exactement. Et ça donne une certaine richesse visuelle, en fait. Énorme, ouais, énorme. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va faire du layout en direct. Avec une caméra. Tu fais ton découpage, en fait. Exactement. Et tu fais ça en temps réel à l'intérieur du monde de la Reine des Neiges, quoi. Et donc, tu peux, si tu veux tourner comme ça, tu peux changer d'axe. Exactement. Ah ouais, ok. C'est incroyable. C'est pas un bon cadrage, ça. Je savais pas qu'on faisait ça comme ça. C'est extraordinaire. J'ai adoré faire ça. J'ai adoré faire ce personnage. J'avais ce petit trac-là de début. Hein. Je me disais, j'espère que je vais réussir à être à la hauteur de la chanson. Toutes les scènes qui sont très réussies. Ça a été un bonheur de faire ce film et j'ai hâte de le voir sur le grand écran avec du public. Certaines personnes ont le don de vous faire fondre. Oh, mais le plus tard sera le mieux. On se retrouve en mer.